Friture de la Loire, carottes aux épices et mousseline d'avocat au chocolat blanc. On est sur mulet de Loire, qui est mariné à la rose. Avec, on a des pickles de légumes, on a des blancs mangés au poivre de Timut et une mousseline d'artichaut. Profitez bien. Alors, nous poursuivons donc cette dégustation avec une anguille de Loire caramélisée, accompagnée de pommes de terre fumées et d'une mousse foie gras sésame noir. Et notre petite cueillette du matin, donc, on retrouve entre autres du fenouil sauvage et de la pimprenelle sauvage aussi, qui a un parfum très léger, qui a un parfum c'est une très bonne dégustation. Donc là on est sur une mousseline de brochet de Loire, avec on a une croûte d'ail des ours, on a une déclinaison de radis et un beurre nantais. Donc là vous avez l'agneau de Bellac, donc une côte et un riz glacé, accompagné d'une polenta citron vert et citron confit. La polenta verte aussi de la roquette avec, la blanche elle est naturelle, et accompagnée aussi de petits légumes glacés avec des herbes fraîches. Donc avec vous avez les petits jus d'oignon qui va avec. Je vous laisse la sauce si vous en voulez. Donc pour vous madame, on a le velours chocolat Inaya, c'est un donc le chocolat à 67% de cacao, avec on a un cœur à la menthe, une glace menthe, et pour vous monsieur donc on a le soufflé à la verveine, avec on a une glace à la chartreuse et un crème à vanille. Profitez bien. Donc là en fait on va être sur les miniardises de la maison, donc vous allez avoir caramel chocolat, nougat ou guimauve à la menthe. Je suis régalée de chocolat et puis même le souffler, enfin c'est à souffler, donc c'est...